je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera un haul de chez Horizon Créatif. Alors c'est la première commande que je fais sur cette boutique et je suis tellement ravie, c'est juste génial. Donc je vous montre le carton. Donc j'avais déjà déballé bien sûr. Hop, c'était tout bien emballé, il y avait dans du papier bulle. Voilà, c'était tout mis dans du papier bulle comme ceci. Alors, j'ai eu un petit cadeau, merci beaucoup, créativement, et c'est signé Ninon. Donc, c'est des mousses 3D, comme ceci. Alors, désolé si vous entendez du bruit, mais il y a mon petit loulou qui joue derrière. Et c'est du 5 × 5 mm x 2 d'épaisseur. Ah ben j'ai du mal aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, j'ai commandé... Alors c'est une toute petite commande cette fois. De l'eau. En fait j'ai vu beaucoup de choses sur sa boutique mais qu'il n'y avait plus. De l'eau de chipboard joyeux anniversaire. Voilà, parce que j'ai rien sur les anniversaires. Et ça vient de la marque Scrapinette. Voilà. Donc là, j'ai commandé de l'eau. Comme ceci. Alors, je suis désolée, je n'ai plus du tout les prix. Je vous laisserai aller voir sa boutique. Ensuite, j'ai commandé... Alors, il y a quelques trucs que je ne vous montre pas. C'est pour le calendrier de l'Avent de Noël. Donc, j'ai commandé les nouveaux Vintage Drop. Donc, j'ai celui-ci. Alors, le packaging est juste trop joli. Il y a 30 ml. Donc, il y en a pour très longtemps. Et là, c'est gris. Voilà, comme ceci. Ils sont juste trop beaux. Ensuite, j'ai commandé le saddle bag. Donc, ça fait un peu effet sable. Un orange, comme ceci. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Hein. J'ai commandé le Pioneer Queen. Donc, un vert. Et j'ai commandé le chocolate chip. Donc, un petit marron. Voilà, pour ceci. Ça va compléter mes nouveaux. Ensuite, j'ai commandé... 3 double faces. Donc j'ai celui-ci, c'est le plus épais que j'ai pris. Ça fait 9 mm. Et il y a 20 mètres. Donc voilà. Celui-là, il y a 20 mètres et c'est du... On va prendre celui-là, 6 mm. Donc j'avais pas du fin comme ceci. Et là, j'ai du 3 mm et il y a 20 mètres. Donc il est très très fin. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 mini tampons. Donc ça va être pour faire des petits fonds de cartes. Ça vient de la marque Elementals. Donc une pièce, tampon clear. Et celui-là, c'est un effet craquelé. Oui, l'effet craquelé. Donc il est comme ceci. Voilà. Et j'en ai commandé un autre. Finaber. C'est la même marque de toute façon. Avec des chiffres comme ceci. Enfin, des écritures comme ceci. Voilà. Et le prochain objet que je vais m'offrir dans le scrap, ça va être la presse à tampons. Chut. Ensuite, je me suis acheté des formes de ballon de shaker. Hop. Et il y a déjà la colle sur le cercle pour le coller. Donc voilà, pour faire des shakers. Donc ça, ce sera surtout pour les cartes d'anniversaire. Et dedans, je ne sais plus combien qu'il y en a. Il y en a 10. Voilà. Ensuite, un même principe. Donc, je l'ai pensé un peu plus gros. Après, c'est de ma faute. Hein. J'avais qu'à regarder les correctement les dimensions. Surtout qu'elle les marque très bien sur le site, Ninon. Donc, c'est ceci. Pareil, pour faire des petites checkers. Voilà. Donc, ça servira. Et ça, il y en a... Alors, je ne sais plus du tout... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, attendez. Ma ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Voilà, il y a 10 dedans. Hop. Pour agrémenter surtout mes cartes de Noël. J'ai pris ça.
J'ai plein d'idées, je te remercie vraiment Ninon. Et de toute façon, je vais repasser une commande vers toi d'ici peu, là. Et après, je voulais tester. Alors ça, je ne sais pas du tout comment ça se colle. Il faudra que je regarde des vidéos, mais je trouve ça trop beau. Je vais pas la sortir parce que j'ai peur de l'abîmer. C'est une feuille de riz. Comme ceci. Donc avec des fonds écriture. Donc ça, pour faire du vintage, elle est trop, trop belle. Et c'est la marque Ciao Bella. Elle fait 28 grammes, je crois. C'est du A4. Mais elle est juste trop, trop belle. Vous voyez, derrière, ça fait des comme des petites fibres. Voilà. Donc, c'est tout pour ce que j'ai commandé. Mais là, je veux passer une autre commande pour des choses de Noël. Et ensuite, une jolie serviette qu'elle m'a offerte. Donc, j'ai un petit chien. C'est pas un chien comme ça. Moi, j'ai un berger malinois croisé bosseron. Mais bon, elle fait plus malinois. Et là, on a un genre de petit boubou. Voilà, comme ceci. Mais alors, un magnifique cadeau. Alors, cette boutique, je vous la recommande. Même si je suis sûre que toutes mes abonnées la connaissent. Il n'y avait que moi pour pas avoir passé une première commande. Alors, je suis ravie. Je vais refaire des commandes dans cette boutique. Voilà, donc Ninon, bientôt, je repasserai une petite commande. Je te remercie pour cette... cet envoi qui a été très rapide. Il y a juste Mondial Relais qui a un petit peu... voilà, après Mondial Relais, je passe par Mondial Relais pour beaucoup de choses, pour ma Dégustabox et tout ça. Et ils mettent très rarement le site à jour, donc voilà. Mais voilà, une commande, ça a été envoyé très rapidement, très bien emballé, une boutique juste géniale. Je te remercie beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. I'm gonna go to the hospital.